Salut! Pour mon troisième défi, faire une série de burpees, pour moi une dizaine, tous les matins. Alors les burpees, je vais vous montrer ce que c'est les burpees. Les burpees c'est ça, là, ce que j'ai fait là. Alors, le problème avec les burpees, parce qu'il y a un problème, c'est bien gentil. J'adore, j'aime beaucoup parce que ça fait mal partout. Faut pas avoir peur quand je dis ça fait mal partout. Mais ça fait mal bien, ça fait mal ici au trapèze, ça fait mal ici derrière, c'est quoi ça, les triceps, les biceps, ça fait mal au dorsaux, ça fait mal aux fessiers, ça fait mal aux cuisses, ça fait mal aux mollets, ça fait mal partout, c'est-à-dire que ça muscle vraiment partout d'un coup. Le problème des burpees, c'est que moi, ce que je voulais partager avec vous, ce sont des choses que l'on peut faire et qu'ils sont safe, qui sont sûr pour la santé. Le burpees, s'il est mal effectué, va occasionner des douleurs, des claquages. Ça peut être un peu dangereux pour le dos si il est mal exécuté. J'ai donc décidé de vous montrer ce que c'est, mais je ne peux pas le conseiller et personnellement j'ai cessé de le faire. J'ai décidé de changer la routine sport pour autre chose. Mais le but essentiel dès le départ, c'est de pouvoir faire une dizaine de minutes de sport. Ça, c'est à long terme. Pour l'instant, j'en suis pas à 10 minutes. Je prends vraiment quelques minutes pour me mettre en forme. Et j'aimerais faire ça tous les jours pour améliorer ma tonicité et maintenir mon poids. Finalement, ce que je fais, c'est plutôt ça. Alors, c'est simple. Je m'agite un petit peu dans tous les sens, je ne sais pas si vous comprenez vraiment le mouvement. Ensuite, je me défoule un petit peu avec les box, les coups de poing. On peut toujours imaginer qu'on est en train de boxer quelqu'un qui nous énerve ou une situation qui nous agace. Puis je fais la planche. La planche, on est sûr. Ces trois mouvements plus la planche sont sûrs pour qui que ce soit qui voudrait faire un peu de sport. Sans prérequis, sans expérience précédente et surtout sans se faire mal. Pour l'instant, ça dure à peine quelques minutes. Ça me convient très bien parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais moi, je veux le faire le matin pour en finir parce que le soir, j'oublie, j'arrête, je teste même pas. Je trouve tous les prétextes du monde pour ne pas le faire. Alors que le matin, je suis débarrassée, c'est fait. Donc là, je me suis remise. Ça va mieux parce que j'ai changé cette routine et ça va beaucoup mieux avec ces trois petits exercices. Les deux premiers, le but, c'est d'accélérer mon rythme cardiaque parce qu'il faut quand même faire un petit peu travailler la machine. Eh oui, et ça ne rajeunit pas. La planche, c'est pour tonifier. J'aimerais bien un peu retonifier mes abdos sans avoir à faire les abdos que je faisais avant. Voilà. Ça, je conseille ça. J'aurais voulu l'avoir fait toute l'année, mais j'ai déjà perdu quelques mois à chercher la bonne routine. C'est un peu dommage, mais c'est pas grave. Donc, je m'y remets tout simplement. Et je vais augmenter au fur et à mesure la difficulté. En fait, la difficulté, elle va augmenter toute seule. Je n'essaye pas du tout de me forcer. Ça ne doit pas être traumatisant. Je ne veux pas que ce soit une torture. Parce que quand c'est une torture, je finis par me lasser et arrêter, et à chaque fois que je vais y penser, je me dirai « Oh, waouh, faudrait que je réessaye, faudrait que je m'y remette », et rien que de penser à la torture, je ne le ferai pas. Donc, les personnes qui sont tout le temps à fond quand ils veulent faire du sport, moi, c'est le conseil que je vais leur donner, on y va tranquille et laissez le corps augmenter tout seul la difficulté. Je commence, par exemple, 2-3 minutes, puis au fil des jours, j'aurai moins mal, par exemple, s'il y a des courbatures. J'aurai de moins en moins de courbatures. Au fur et à mesure, mon corps aura plus de résistance, ou plutôt moins de résistance et plus d'endurance. Et je vais pouvoir pousser l'exercice chaque fois un petit peu plus loin. La planche, je ne tiens pas bien longtemps, mais au fur et à mesure, ça va augmenter ma résistance. Ma force va augmenter au fur et à mesure et je pourrai tenir chaque fois un peu plus longtemps. Le but quand même, ce serait de réussir à faire au moins 10 minutes. Si à la fin de l'année, j'arrive à faire au moins 10 minutes
de ces trois exercices, c'est bon, j'ai réussi. Quel conseil je pourrais donner? Parce qu'en fait, les défis, quand je les partage, c'est parce que je pense que ça pourrait intéresser certaines personnes qui ont envie de se remettre en forme ou qui auraient des idées ou qui chercheraient des idées pour gérer leur poids, leur motivation ou l'anxiété. C'est dans ce but que moi je me lance tous ces défis. Et quand on fait ce genre d'exercice, expérience vécue, il y a ceux qui ont des choses à dire. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a ceux qui vous regardent et puis ils font rien. Ils vous regardent comme ça en train de vous agiter. Et puis qui vous disent, c'est tout, t'as déjà fini parce que t'as fait 3 minutes. T'as tenu 3 minutes, c'est tout, t'as déjà fini. Faut faire abstraction, ces gens n'existent pas. Quand vous faites vos affaires, quand vous faites votre sport, votre défi, les autres n'ont rien à dire, en particulier ceux qui ne font rien, mais qui estiment que vous n'en faites pas assez. Mais nous, chut! Il y a aussi ceux qui sont plus sportifs que vous et qui trouvent que ce que vous faites, ah, mais ça sert à rien. Et eux, ils vont en salle de sport pendant 1h30, ils courent des kilomètres, ils essayent de vous faire honte. Évidemment, ils sont un peu dans une compétition qui, si vous êtes comme moi, ne vous aide pas du tout. Ou c'est décourageant, ou on se dit on n'en fait pas assez, ou alors on relève le défi de faire de la compète contre les autres, sauf qu'on n'est pas dans le même niveau, on n'est pas du tout dans la même catégorie, on ne joue pas dans la même cour, et eux, ils vous dépassent, ils vous désespèrent, et vous abandonnez. Non, le but des quelques minutes par jour, c'est surtout de ne pas abandonner. C'est-à-dire que ça doit être quelque chose d'agréable, ça ne doit pas être une torture, ça doit être quotidien et ça doit tenir sur la longueur. Donc les gens qui font 2 heures, qui courent des trucs et ceux qui ne font rien, n'ont rien à voir dans ça. C'est me, myself and I, comme dirait l'autre. C'est un défi contre... C'est une compétition contre soi-même et dans cette course-là, on est toujours gagnant, normalement. Parce que la seule personne qu'on doit dépasser, c'est soi-même. Non mais franchement, ceux qui ne font rien, n'ont rien à dire. Et ceux qui en font des caisses, n'en ont plus rien à dire parce qu'on n'est pas du tout dans la même cour. On ne joue pas dans la même cour. Donc voilà. C'est tout ce que je voulais dire sur ce 3e défi. J'espère que c'était assez clair. On se retrouve pour le 4e défi.